Bienvenue sur House of Prayer. Nous avons parlé de cette question qui me dérange souvent, la question que les gens se posent quel est ton secret? Quel est ton secret? Qu'est-ce que tu fais pour avoir beaucoup d'abonnés? Qu'est-ce que tu fais pour avoir beaucoup d'argent? Qu'est-ce que tu fais pour que le ministère réussisse? Je trouve cette question un peu trop dangereuse. C'est cette question qui a fait que beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui sont initiés à la magie, à la sorcellerie, à l'occultisme, à la cabale juive. Nous avons amené l'occultisme dans l'église à cause de cette question. On veut toujours être comme les autres. On veut devenir grand. Tout le monde court derrière la renommée, le succès, l'argent et le grand pasteur, le grand bishop. Ils veulent avoir des diètes privées, tout ça. Tu vas voir les serviteurs de Dieu voyager, aller demander à d'autres serviteurs de Dieu quel est votre secret. Tout ça, c'est l'amour du monde. Votre cœur aime tellement le monde. La Bible nous dit dans 1 Jean 2:15, n'aimez pas le monde.